So, thank you for your interview. Bonjour. Bonjour. I would like to ask you, can you tell us a few things about you and your career? Je suis attaché de presse dans le cinéma. Attaché de presse veut dire s'occuper donc depuis la sortie d'un film, prendre le film 4 mois avant la sortie. Et il y a l'écriture du dossier de presse. Là, ensuite, toutes les projections qu'on organise, des projections privées pour que les journalistes, les gens de radio, de télévision, les journaux viennent voir le film pour pouvoir écrire dessus. Et ensuite, il y a le choix des extraits qui vont à la télévision, le choix des photos qui vont dans les journaux, le choix de ce qu'on met sur Internet et tenir le carnet de rendez-vous. Proposer aux acteurs et aux réalisateurs les bons endroits où aller pour lancer le film, à la télé, à la radio. Voilà. What are your responsibilities as a press agent? The same, I think. What should be the qualifications of a press agent? Je vais parler pour moi. Moi c'était c'est une histoire tout gamin. J'avais 8 ans, 8 années. Je savais que je voulais faire un métier dans le cinéma, dans la publicité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Donc j'ai tout enfant, je m'amusais à collectionner des photos, des magazines sur le cinéma. J'ai passé un baccalauréat, 16 ans et demi. Et de là, je suis rentré coursier dans une maison de distribution à Paris, chez Pathé. Pathé. Et au fur et à mesure, comme ils ont vu que j'aimais ça, on a commencé à me donner du travail. Donc c'est parti comme ça. Et je dis tout le temps que c'est un métier, ce métier, c'est une histoire d'amour. Je veux dire, on donne tellement de temps. C'est un don de soi. Donc il faut vraiment... Il faut vraiment aimer ça et le faire honnêtement. Et le jour où on n'en a plus envie, il faut arrêter parce qu'on donne trop. Et les qualités, c'est quoi? Moi, je dis tout le temps, il faut avoir des jambes de coureur parce qu'il faut y aller, une mémoire d'éléphant parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Et puis avoir quand même un peu de charme pour... Il faut toujours quand même être... Il y a une élégance à avoir avec les gens, quoi. Voilà. C'est clair ou je sais pas? How is your difficult is it for you to work with such well-known people? Is it difficult to work with such famous people and other things? Oui. C'est toujours... Oui, c'est toujours très difficile parce que c'est un milieu où tout est compliqué, où tout est de l'intérêt partout, où les gens ne sont pas sûrs d'eux parce qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement que... Donc le rapport avec les acteurs sont compliqués. Donc moi, je me suis tout de suite mis dans la tête que dans ce métier, avec les acteurs et les réalisateurs, je n'avais pas d'amis. C'est un travail et c'est de l'intérêt. Donc on le sait, si ça marche mal, on arrête. Ils vous feront pas de cadeau. Donc une fois qu'on le sait, on a établi cette confiance et moi ça m'a permis, j'ai la chance de travailler avec des très grands réalisateurs, je travaille avec André Téchiner tout le temps, avec François Ozon, avec Anne Fontaine, je travaille avec Patrice Chéreau, je travaille avec Roman Polanski, je travaille, vous voyez, j'ai quand même des gros réalisateurs qui me suivent. Mais c'est toujours dans l'intérêt, ce qui est logique, du travail, du film, et non par amitié. Il y a de la complicité, mais il n'y a pas d'amitié. Chez les acteurs, pareil. Je travaille avec Catherine Deneuve, je travaille avec beaucoup de gens tout le temps, mais c'est du travail, du sérieux qui mène à tout ça. Mais je ne crois pas au blabla, je ne crois pas au parisianisme, je ne crois pas... Tout est trop compliqué pour... Il faut bosser, il faut travailler. Et ce que je dis tout le temps à des jeunes quand ils viennent me voir et qu'ils me disent « est-ce que c'est plus dur ?» Mais non, qu'avant, je dis surtout pas. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit c'était mieux il y a 10 ans. On vous dira toujours ça. Toujours ça. Donc il faut avoir...
il faut avoir envie. C'est une histoire d'amour. Avoir ça et se jeter dedans. Hein. Voilà. Moi je suis quelqu'un qui ne suis pas sûr de moi. Je me remets tous les jours en question. Et voilà, mais ça me permet d'avancer. Should I go to the last one? Yes, or? Okay. What do you consider as a talent in your job? What is the most challenge thingy? What you challenge. tricks you in this world? How do I express it? Quelque chose qui vous intrigue, qui vous intéresse beaucoup dans cette métier. Ah ben tout. Tout m'intéresse dans ce métier. J'adore tout. J'ai l'impression d'être en vacances tous les jours. J'aime tellement ça. J'aime aller sur les tournages. J'aime les sorties de films. J'aime tout dans mon métier. Je sais pas quoi. J'ai pas de problème. Premier plan et l'ambiance qui est jugée. Ah ben, premier plan, c'est unique. Moi, ça fait quand même. J'ai commencé à premier plan en 1995, donc j'y suis depuis 22 ans. J'ai travaillé sur d'autres festivals que j'ai lâchés en cours de route. Celui-là, je ne le lâche pas parce qu'il y a. Il y a de très belles rencontres. Très belles rencontres. C'est un festival qui m'a permis d'ailleurs. Mon associé à Paris était stagiaire ici à la Calcato. Je l'ai rencontré il y a 22 ans, il était avec moi, maintenant c'est mon associé à Paris. J'ai une amie que j'ai rencontrée l'année d'après qui maintenant est chez un producteur. J'ai trouvé que des gens passionnés ici. Il y a quand même. C'est un bonheur de rencontrer des gens ici de tout âge. Oui. Comme vous, unique. Voilà, c'est unique. Après, moi, je bosse à Cannes. Cannes, c'est aussi unique à sa façon. Ça n'a rien à voir. Mais les autres festivals m'intéressent pas. D'accord. Ça va? Thank you very much. Ça va? Yeah.